Le soutien est un des facteurs reconnus comme les plus déterminants pour la prédisposition d'un individu à se développer. Peu importe le domaine, qu'il soit sportif et particulièrement au travail, la plupart des recherches sur le soutien ont été faites au niveau du soutien perçu du patron ou de l'organisation. Le soutien se joue sur trois niveaux. Il y a le soutien technique. Donc, la maîtrise de la tâche en tant que telle, il y a le soutien matériel et il y a le soutien relationnel. Au niveau du soutien technique pour maîtriser la tâche, là, on parle des programmes de formation, de développement sur la maîtrise d'un travail en tant que tel. Il y a différents moments pour les faire. Il y a l'accueil, les instructions, il y a des audits, du feedback, du renouvellement. Il y a des moyens, et les moyens ont évolué beaucoup avec les années. Les formations en classe, qui étaient le moyen le plus privilégié il y a plusieurs années, ont fait place au web. Le coaching est de plus en plus populaire. La documentation vieille comme le monde demeure importante, puis l'encadrement par des experts. Fait que ça, c'est des moyens. Puis le défi en organisation, c'est qu'il faut adapter le moyen à la tâche au moment et à la personne. Chaque personne a un style d'apprentissage différent. Et oui, pour que quelqu'un se développe et soit son meilleur, le soutien du patron, c'est une clé. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est à mesure qu'on regarde la littérature de plus en plus récente, le patron était toujours numéro un. Et de plus en plus, l'importance des collègues du réseau augmente par rapport au patron. Et ça implique pas une révolution, mais une légère modification de nos pratiques ressources humaines. Et de vraiment se questionner dans nos initiatives de développement, quels moyens de suivi ou d'ancrage ou de transfert des acquis on met en place dans nos programmes de développement pour stimuler le soutien entre collègues et avec le réseau de plus en plus. Donc, on voit des communautés virtuelles d'apprentissage et tout ça pour répondre à ce nouveau besoin-là qui est très actuel. Donc, le soutien de la famille demeure un critère important aussi sur notre capacité de nous développer au travail. Et aussi, on sort des murs de l'organisation, des mentors et des coachs peuvent être aussi des personnes clés.